Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, le sommaire. Journée internationale de personnes âgées, votre rédaction a réfléchi sur leur prise en charge en temps de lutte contre la Covid-19 à Kinshasa. À elle et aux autres membres de la communauté congolaise, il ne faut pas baisser les bras par rapport aux gestes barrières. La Fondation Elika s'en est souvenue avec un geste de courtoisie. Les locataires quinois ont marché ce 1er octobre pour exiger l'application stricte de la loi sur les baux et loyers. Ils exigent de payer en francs congolais et font remarquer la répartition par catégorie commerciale, industrielle et domestique. Publication du rapport Mapping à Kisangani, où l'on dénombre beaucoup de victimes, les Boyomais et Boyomaises ont marché pour exiger réparation 10 ans après. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour vous informer dans le cadre du 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping du Bureau des Nations Unies pour la défense des droits de l'homme. Jeudi 1er octobre 2020, les mouvements de droits de l'homme et mouvements citoyens de la Tchopo ont organisé plusieurs activités à Kisangani, notamment une marche qui a eu comme point de départ le rond-point du pont jusqu'au gouvernorat comme point de chute pour déposer un mémo. Arrivée au gouvernorat, la police d'intervention a réprimé les marchands avec des gaz lacrymogènes. Bilan partiel, un blessé qui se trouve interné à l'hôpital Lombalé sur l'avenue des Érables. Membre de la structure des intellectuels à Kisangani Boyoma dans la province de la Tchopo, Billy Bolakonga a encouragé le Congolais de partout à s'approprier du rapport Mapping pour exiger non seulement réparation, mais que les auteurs de cette barbarie soient punis avec une sévérité exemplaire. Il est au micro de Patrick Mangala. Pratiquement toutes les familles de Kisangani ont été affectées d'une manière ou d'une autre par la perte de ses membres ou par la perte de ses biens. Et par de nombreuses séquelles, nous avons pensé qu'il est important qu'on puisse aujourd'hui, 10 ans après la rédaction de ces rapports, mais 20 ans après les plus graves atrocités, que l'on puisse relever cela, que l'on puisse sensibiliser pour que la population s'approprie ces rapports qui est assorti de nombreuses recommandations. Nous voulons aussi, en dehors de la publication, de la vulgarisation de ces rapports, nous voulons que l'on puisse publier aussi la liste des présumés auteurs de ces différents crimes qui courent encore les rues, qui sont même en train de diriger les pays d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est très important qu'on puisse faire cela. Mais en dehors de cela, il y a aussi le fait que nous sommes en train de réclamer l'érection d'un tribunal pénal international pour juger les différents crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, et même au-delà, parce qu'on sait que ces crimes continuent. Et nous, nous sommes convaincus que le camouflage de la vérité, que cette façon de dorloter les criminels constitue en fait un terreau favorable pour l'émergence des crimes encore en République démocratique et la perpétuation des crimes en République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, Marceline Mazemwa Koumania nous fait dire que les locataires de la ville sont montés au créneau à travers une marche organisée ce jeudi 1er octobre 2020 pour réclamer le paiement de loyer en francs congolais et une garantie locative fixée à 3 mois. Suivez. Avec comme point de chute le ministère de l'Urbanisme et Habitat, les locataires de Kinshasa, lassés par les fluctuations à répétition du taux des dollars américains sur le marché d'échange, ont marché ce jeudi 1er octobre pour non seulement réclamer de l'État le paiement du loyer mensuel en francs congolais, mais aussi et surtout la révision du nombre de mois pour la garantie locative qu'ils proposent à 3 mois pour 50% du loyer du mois aux commissionnaires. Cette mesure, couchée en forme de décision en son temps par l'ancien gouverneur de Kinshasa, André Kimbuteyango, continue de souffrir de son application. Voilà pourquoi les locataires de Kinshasa ont résolu de porter l'affaire qui a des allures nationales auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat pour qu'une solution définitive et efficace soit trouvée dans l'immédiat et que les récalcitrants soient punis sans autre forme de procès.
Pas seulement pour les loyers seulement. Pour toutes choses, même aux supermarchés, aux alimentations, on voit ça ailleurs. Pourquoi ici seulement on nous impose dollar? C'est quoi dollar? Dollar, ce n'est pas notre argent. Ce qui est plus important pour nous, c'est que le gouvernement s'implique à prendre des décisions pour dire que désormais, fini les dollars. Si vous voulez le dollar, allez faire vos échanges et puis on paye en francs congolais. Nous avons des pays où on applique seulement ça. Mais ici, chez nous, on nous impose, même un petit Libanais qui vient aujourd'hui, excusez-moi l'expression, hein, un petit Libanais, un Indien qui vient aujourd'hui, et dit « Sombaka kana dollar ». Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas notre argent, madame. Changement des chapitres dans ce journal. L'humanité entière célèbre ce 1er octobre 2020 la journée internationale de personnes âgées. Une journée qui a pour but de rappeler à la population les droits des vieillards dans la société. Esther Bazibia bien nous en dit plus. Les 1er octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des personnes âgées, une journée qui a pour but de rappeler à la population le droit de vieillard. Actuellement, la pandémie à COVID-19 a entraîné pour les personnes âgées du monde entier l'inébranlable peur et souffrance emplissent de conséquences sanitaires immédiates. La pandémie expose les personnes âgées à un risque accru de pauvreté et discrimination. Il est probable qu'elle s'avère particulièrement sévère pour les personnes de troisième âge de pays en développement. Telles qu'en RDC, à Kinshasa, les personnes de troisième âge sont souvent traitées de sorciers et sont abandonnées à leur triste sort dans certaines familles. Compte tenu des risques plus élevés auxquels sont confrontées les personnes de troisième âge face à la COVID-19, les mesures politiques et les programmes doivent davantage sensibiliser la société civile aux besoins particuliers de ces personnes. Ainsi, les thèmes de cette journée visent à informer les participants des objectifs stratégiques de la décennie du vieillissement en bonne santé. Sensibiliser aux besoins de santé spécifiques aux personnes âgées et à leur propre contribution vis-à-vis de leur santé et du fonctionnement des sociétés dans lesquelles elles vivent. Pour rappel, cette journée a été créée en 1991 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout en restant à cet hospice, Esther Badibiabia s'est posé la question de savoir comment le responsable de ce home de vieillards faisait pour que ces vieilles personnes, ces personnes âgées plutôt, ne tombent pas malades du coronavirus. Le responsable de cet établissement répond. Selon les statistiques présentées par les formations hospitalières à travers le monde, les vieillards sont comptés parmi les personnes les plus touchées par la COVID-19. Une situation qui interpelle et qui a poussé les gouvernements de différents pays à accorder une attention particulière à ces vulnérables, avant tout comme en cette période de déconfinement. Au home des vieillards de Kabinda à Lingwala, les dispositions sont prises pour cela. Nous avons pris les dispositions disciplinaires, comme ça se fait partout, parce que vous savez que les personnes âgées, c'est la catégorie la plus touchée. Alors, nous avons observé les signes barrières. Nous avons interdit des gens de passer par là, de pénétrer dans les homes. Et toutes les visites ont été guidées. Et nous avons placé les lave-mains. On a remis les détergents. On a remis les savons liquides et puis les désinfectants. Sur place, la directrice du home a profité pour interpeller les personnes de bonne foi et aussi inviter la population au respect de gestes barrières. Je dis tout simplement à la population de ne pas être distraite. Vous savez, c'est une maladie vraiment affreuse qui décime les populations qui prennent soin d'eux-mêmes. Parce que même si certaines personnes disent qu'il n'y a pas la maladie, mais consciemment, toi-même, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Je dis seulement à la génération montante et tout le monde qui puisse nous venir en aide pour que la transition de ces vieillards passe dans de bonnes conditions. En tout cas, le coronavirus existe. Il faut se protéger.
Toujours dans le cadre de cette célébration, la Fondation Elika n'a pas voulu passer à côté pour se montrer reconnaissante. Elle est allée visiter ce 1er octobre les personnes âgées à Saint-Marc, à Kinshasa, et à l'hospice de Veillard de Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Dans sa suite, Eric Izami. Ils sont masculins ou féminins, ils ont pris de l'âge, mais ils constituent la sphère de ce que nous appelons grands-parents, admis au troisième âge. Chaque année, le 1er octobre, l'humanité entière célèbre ce brave dame et messieurs, réputés gardiens de nos us et coutumes, et la Fondation Elika s'en est souvenue ces jours, et ceci explique la visite de courtoisie leur rendue à l'hospice Saint-Marc à Kinshasa, dans la commune de Kimbanseke, puis à l'hospice Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, histoire de leur redonner sourire aux lèvres. Je suis seulement très content et je me rappelle de ce que Jésus nous a laissé comme commandement, c'est de nous aimer entre nous. Ce que vous faites, c'est un signe d'amour entre nous. Et c'est ça qui doit rester dans nos têtes jusqu'à le dernier jour. En RDC, et avec un retentissement international, Lutumba Ndoma Nweno di Simaro Masia, célèbre musicien, disait en son temps, il est toujours agréable pour un être humain d'accéder à un âge avancé et de surtout vivre avec ses petits-fils. Changement de chapitre, il n'y a pas d'importation de ciment de la République démocratique du Congo, de la République du Congo vers la République démocratique du Congo. C'est plutôt la limitation du quota, soit 100 000 tonnes. C'est par cette affirmation que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a réagi jeudi 1er octobre au sujet de la problématique de l'importation du ciment gris au Congo Kinshasa, Soulange Kouale. Alors, il faut quand même désacraliser cette histoire des 100 000 tonnes. C'est 641 tonnes par province, par mois, et c'est sur un an. 641 tonnes, c'est pas un immeuble de 6 niveaux. Et pourtant, vous avez dit que le secteur avait bien rempli les quatre conditions. J'ai dit que la pénétration du marché intérieur posait un problème. Nous avons un besoin de pas plus de 400 000 tonnes, exactement 379 000 tonnes. Et le marché, l'offre intérieure n'a pas été à même de porter sur ce marché 100 000 tonnes. Pour raison d'infrastructure. Voilà, mais les consommateurs ont le droit d'exister. Il n'y a pas que les consommateurs de Kinshasa, du Congo central, d'une partie du Bangui qui ont le droit d'exister. Mais comment ces 100 000 tonnes vont leur parvenir? Excusez-moi. Les consommateurs de l'Équateur, du Grand Équateur, du Grand Kassai et du Grand Oriental ont aussi besoin d'avoir accès aux produits dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, vous allez sur le marché des Guéména, sur le marché des Badoliti, sur le marché des Kisanga que vous trouverez du ciment importé par la foule. Vous allez sur le marché des Kassai, vous trouverez du ciment importé de la Mola par la foule. Ok? Alors, est-ce qu'il faut continuer à tolérer la fraude alors qu'on n'a pas un mécanisme pour sanctionner? La loi ne prévoit rien pour sanctionner un importateur qui a amené un produit dans un pays donné s'il l'a fait de manière régulière. C'est ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il fallait répondre à cette question. Maintenant, les 100 000 tonnes. Mais ce n'est pas un État qui amène du ciment à un autre État. C'est un plafond, un quota plafond. Monsieur, ils importent déjà là-bas. Mais il ne faut pas qu'ils débordent. Il ne faut pas qu'on dépasse une certaine limite. Donc, les importateurs sont identifiés. Il y a un quota au-dessus duquel un sac de ciment ne peut pas s'ajouter si les importateurs sont prêts à pouvoir acheter là-bas. Donc, ce n'est pas que demain, on a 100 000 tonnes. Non, il faut que les gens acceptent d'aller acheter. Il faut que les Congolais, opérateurs économiques, les importateurs dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été détruits, il faut qu'ils acceptent d'aller importer. Mais puisque certains importaient déjà, il faut éviter que ça rentre dans le marché noir. Donc il n'y a pas des importateurs qui ont demandé au ministre une dérogation pour importer? Non, bon, ils ont toujours demandé, j'ai dit non, 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 etc. Mais on a appris qu'à Kisangani, il y a des ciments pour nous. Aujourd'hui, demander, c'est la réalité. Mais je rentre sur la question. Est-ce qu'ils remplissent les... Absolument, vous ne pouvez pas. C'est un quota plafond. Maintenant, c'est lui qui vient importer, qui vient demander.
l'autorisation du ministre, il doit remplir toutes les conditions. Il faudra savoir aussi que la direction générale du Fonds forestier national sera désormais dirigée par M. Honoré Moulumba Kalala. Ce dernier a été installé mercredi 30 septembre 2020 par le ministre de l'Environnement Claude Niamugabu. Le directeur général du FFN et son adjoint ainsi que le président du conseil d'administration ont été nommés par ordonnance 20/136 du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patricia Molengombo-Lekoune, Hugues Sanguilay nous en disent plus dans ce reportage. Désormais, le Fonds forestier national sera dirigé par Honoré Moulumba Kalala, secondé par Alain Kalangiro et la présidence du conseil d'administration assurée par Gervais Rougenge, tous nommés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par ordonnance numéro 20/136 du 23 septembre 2020. Honoré Moulumba Kalala a pris le bâton de commande mercredi 30 septembre 2020 au cours d'une cérémonie de remise et reprise en présence du ministre de l'Environnement, Claude Niamugabu. Je me retrouve ici pour exécuter l'ordonnance du président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu pourvoir aux organes prévus pour le fonctionnement efficace du Fonds forestier national, qui est l'établissement public sous tutelle du ministère de l'Environnement. Après la remise et reprise, tous se sont dirigés à Fatima, où le directeur général du Fonds forestier national a été présenté officiellement aux agents de cet établissement public. Comme l'on dit, toute autorité vient de Dieu. En bon chrétien, Honoré Moulumba a voulu avant toute chose rendre grâce à Dieu pour ses nouvelles fonctions. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Le directeur général du FFN a également remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui. Je voudrais remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, qui m'a fait confiance pour diriger, n'est-ce pas, cette institution publique, j'allais dire cet établissement public. Nous sommes là pour tout faire, pas faire plaisir, mais pour réussir notre mandat, tout en nous basant tout d'abord sur les travailleurs. Le Fonds forestier national est l'organe attitré du gouvernement de la République pour assurer le financement de l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 million d'arbres à l'horizon 2023. Cet établissement public à caractère technique et financier a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement, d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstitution du capital financier en République démocratique du Congo. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Richard Ngapi, directeur de publication du journal Le Potentiel. Selon lui, l'actualité est dominée par la sonnette d'alarme lancée par la Banque centrale du Congo sur la baisse de réserves d'échange. Suivez. Pour nous, Le Potentiel, aujourd'hui, nous sommes focalisés sur l'économie du pays avec cette sonnette d'alarme lancée par la Banque centrale du Congo sur la baisse des réserves d'échange. Et la Banque centrale a fait voir que le pays n'a plus suffisamment de réserves d'échange. Cette situation, c'est déjà très dangereux pour un État comme la RDC qui a beaucoup de défis à relever, tant sur le plan interne qu'avec le programme qu'on a avec les FMI. Alors, Le Potentiel a juste rappelé et mis en garde qu'il faut craindre la faillite de l'État si cette situation, si rien n'est fait dans le sens d'approvisionner justement et la caisse de l'État avec suffisamment de devises pour faire face à tous ces défis. Nous avons parlé, on a attiré l'attention de nos lecteurs sur le show américain. Le débat qui a eu lieu hier, avant-hier aux États-Unis, c'était hier, c'est chez nous, et entre le président Donald Trump et Joe Biden, les démocrates. Voilà. Ça a vraiment attiré l'attention et selon des experts, c'est le pire des débats que les Américains ont eu, qui a même viré aux attaques personnelles.
au point qu'on a eu vraiment un spectacle qui était presque désolant pour les Américains et pour le monde entier. Et le potentiel, nous sommes focalisés sur ce débat-là, qui était une première, c'était pas beau à entendre, en tout cas pas du tout. À présent, parlons sport. Dans ce journal, le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo Kitenge, a officiellement lancé le championnat de la Lina Foot Ligue 1 et 2 le mercredi 30 septembre 2020 dans la salle de conférence de Sultani Hotel de la Gambée. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Les propos du ministre des Sports ont été recueillis pour vous par Patrick Borel Mukendi et Rigoum Lepon. Je suis heureux de vous annoncer le démarrage effectif de la 26e édition du championnat Vodacom Ligue 1 et Ligue 2 de la Lina Foot sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette reprise du championnat se fera néanmoins sous certaines conditions en raison de la persistance de la maladie à coronavirus. Le ministère est et restera toujours en contact permanent avec l'équipe de la riposte de la pandémie à COVID-19 et suivra respectueusement tous les conseils, orientations et prescriptions que celle-ci lui donnera à ce sujet. Au vu des prescriptions me fournies par les comités de riposte de COVID-19, la FECOFA, par les touchements de la Lina Foot, organisera son championnat dans des infrastructures sportives vides où le public n'aura pas accès en attendant l'évolution de la situation sanitaire. À ce sujet, j'invite la FECOFA et toutes ses entités subdélégataires à prendre toutes les dispositions pour que les athlètes, les encadreurs sportifs, les arbitres, les officiels et autres membres accompagnant les équipes passent les tests de COVID-19 et se munissent d'une carte à cet effet. Au sujet de la prise en charge de frais de transport par le gouvernement, j'invite la Lina Foot au strict respect de son calendrier et aux clubs sportifs bénéficiaires de cette intervention du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour informer les supporters que les rencontres sont livrées à huis clos. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la VOA. Vers un retour à la normale en Afrique du Sud, les premiers vols internationaux y ont atterri jeudi matin, marquant la réouverture officielle des frontières du pays après plus de 6 mois de fermeture pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. Mouvement de grève des agents de santé en Côte d'Ivoire. Ils réclament le paiement d'une prime de coronavirus dans les hôpitaux publics en Côte d'Ivoire depuis une semaine. Une soixantaine d'agents ont manifesté mercredi devant le plus grand hôpital d'Abidjan. À moins de 3 semaines de la présidentielle, Amnesty International dénonce la répression des manifestants en Guinée à l'origine de la mort d'au moins 50 personnes en un an, ainsi que l'immunité dont jouissent les forces de sécurité. Un rapport critiqué par le gouvernement guinéen. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, est à Alger ce jeudi, une première depuis 2006. But de la visite, relancer l'alliance entre deux pays aux intérêts stratégiques communs face aux djihadistes au Sahel et au conflit en Libye. Mercredi en Tunisie, espéra signer un accord de coopération militaire sur 10 ans. Page magazine, dans ce journal, le 1er octobre 1960, le Nigeria obtenait son indépendance. Il est aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, le géant économique du continent africain. À travers des images d'archives, France 24 évoque le chemin qui a mené à l'indépendance et comment, quelques années plus tard, le pays a plongé dans une terrible guerre civile dans la région de Bafra. Sujet. Le pays le plus peuplé d'Afrique est devenu indépendant du Royaume-Uni le 1er octobre 1960. Les colons britanniques étaient arrivés au Nigeria dans les années 1850. L'éducation occidentale enseignée par les missionnaires chrétiens a rencontré une forte résistance, surtout de la part de dirigeants musulmans dans le nord du pays. Pendant la colonisation, le sud s'est développé plus rapidement que le nord. Cette division du pays aura des conséquences bien après l'indépendance. Les premiers mouvements nationalistes apparaissent dans les années 1920. Pendant les 4 prochaines décennies, la lutte contre la domination coloniale n'a cessé de prendre de l'ampleur. Après l'indépendance, des conflits interethniques ont éclaté.
Depuis des années déjà, des tensions existaient entre les Haoussa dans le nord et les Igbo dans l'est. En septembre 1966, plus d'un millier de personnes ont été tuées dans le nord, surtout des Igbo. Le chef des Igbo s'appelait Emeka Ojukwu. If civil war comes, and I do think it is imminent, you're quite right, it will for us be the price of freedom. En mai 1967, Ojukwu déclare l'indépendance de la République du Biafra dans l'Est. La guerre civile débute en juillet. Ojukwu et ses troupes font face à l'armée et au dirigeant nigérian Yakubu Gowon. The sacrifices will be heavy, but the cause is worthy and just. Long live the Federation of Nigeria. La guerre du Biafra a duré jusqu'en 1970. Près de 2 millions de personnes sont mortes, la plupart de faim ou de maladie. Pour la première fois en Occident, les journaux télévisés montraient des enfants africains victimes de la famine. C'est après avoir vécu ces événements qu'un groupe d'humanitaires a décidé de fonder la célèbre ONG Médecins Sans Frontières. 50 ans plus tard, la guerre du Biafra reste le conflit le plus sanglant de l'histoire récente du Nigeria. Vous aurez vite compris que je voulais plutôt parler d'une page internationale que de la page magazine. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal télévisé, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Journée internationale de personnes âgées, votre rédaction a réfléchi sur leur prise en charge en temps de lutte contre la Covid-19 à Kinshasa. À elle et aux autres membres de la communauté congolaise, il ne faut pas baisser les bras par rapport aux gestes barrières. La fondation Elika s'en est souvenue avec un geste de courtoisie. Les locataires quinois ont marché ce 1er octobre pour exiger l'application stricte de la loi sur les baux et loyers. Ils exigent de payer en francs congolais et font remarquer la répartition par catégorie commerciale, industrielle et domestique. Publication du rapport Mapping à Kisangani, où l'on dénombre beaucoup de victimes, les Boyomais et Boyomaises ont marché pour exiger réparation 10 ans après. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur votre chaîne.